Voici la ferme des bons hommes. Ouais, c'est son nom, des bons hommes. Et voici Modestine, qui a préféré grimper sur le tracteur de son mari mort plutôt que de retourner à Madagascar. Trois hommes l'entourent. Stéphane est en pension chez elle. Il l'aide, mais ne déteste pas boire un coup. J'ai bu un coup, j'ai bu deux, trois, quatre diabolements que j'ai bu. Le beau brun que voici, Modestine semble l'aimer, mais est-ce bien raisonnable? Et surtout, il y a le beau-père qui ne voit pas Modestine en agricultrice et le fait savoir à tout bout de champ. C'est pas possible que cette fille-là, elle puisse sentir. Ce n'est pas toute possible. Toute seule, non. Toute seule, c'est pas... Avec toute la bonne volonté, c'est pas possible. Je sais pas comment faire. Stéphane était inquiet. Modestine a disparu. Voilà. Depuis hier, je m'inquiète de ce qu'elle a. Je l'ai appelée plusieurs fois. Je sais pas ce qu'elle a. Je m'inquiète qu'elle soit à l'hôpital ou qu'elle a eu un accident ou quoi que ce soit. Je m'inquiète. Il n'y a pas que moi qui fais des conneries. Hein. T'es toujours pas là. Donc le grand-père est là, tout le monde est là, alors je sais pas comment ça va se passer. Dommage. Hein. À plus tard. Bon, c'est peut-être pas mal. Hein. Non, c'est pas si mal que ça. La pensée, Bernard. C'est sûr qu'il a ça pas la main. Froid, c'est... Froid. Et puis il sent. Ben voilà, oui. Il est plus bien rond. Hein. Regardez les grains comme ils sont plus beaux, bien ronds. C'est une belle journée, un bel week-end. C'est la première fois que je fais passer une belle week-end. Mais Stéphane, ils disent que j'ai une malaise. Et... c'est bien, il a pensé comme ça, c'est bien, il a agi comme ça, c'est bien. Inquiété beaucoup. Ah là là, je dis qu'est-ce qui lui est arrivé, j'ai appelé l'hôpital pour voir s'il y avait rien arrivé. C'est bien. J'ai dit, est-ce que vous n'aurez pas... Au bruit, au modeste. Non, on l'a pas. Bon ben, merci, au revoir. J'ai bien fait pour laisser comme ça, pour débrouiller. Je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, je suis bien, mais tu vois bien que je travaille. Je rentre, je travaille déjà parce que je me sens bien, bien, bien. Et voilà quoi. Je mal nulle part et je me sens à l'aise. Quand je dis il faut travailler, voilà. Il y a que grand-père qui fait boulot, grand-père, moi je n'ai pas appelé. Bon, il m'a coincé comme ça, il m'a arraché. Heureusement, il n'y a pas des ongles, parce que s'il y a des ongles, les oreilles, il a comme ça, et après, il a fait comme ça, il voulait arracher le persil. Il est mauvais, on a du mal à y croire. Hein. Il n'est pas bien. Il m'a coincé, mais j'ai à réussir à coincer ici. Je vais l'arracher direct avec mes dents.
Mais à ce moment-là, j'étais reçue partie. Il m'a lâché parce que j'étais pincée ici. Il m'a comme ça. Il m'a... Quand je m'a lâché comme ça, au moment que je fais comme ça, il m'a donné coup de pied ici avec son saussure. Si j'ai un point vital dans le cou, à mon avis, moi, j'ai déjà fini. Hein. Pour ça, maintenant, il faut faire une chose. Il faut parler à tout ça. Hein. C'est toi qui peux le faire avec la gendarmerie. Il y a que toi qui peux le faire. Ouais. C'est la gendarmerie qui peut le faire. Ouais. Il a envie de me tuer. Alors, moi, j'ai... Même maintenant, je dors. Je ne mets pas parce qu'il y a le foin à côté, il y a le foin à côté, il fait le feu et moi j'ai au milieu et ouais. Voilà qu'un moment que j'ai dors et cramé. Moi, le jour où il va me dire bonjour, je t'attends qu'il vienne me dire bonjour, c'est tout. T'as pas honte de taper sur une femme. Je veux dire, t'as pas honte de ce que t'as fait. Tu dis à ton âge. Je dis, tu parce mérites qu'il pas. Il a l'habitude de taper sa femme. Hein. Bah, exactement, j'ai dit, écoute, mais oui, il tape sa femme. Bah, attends, il a tapé son fils à quel âge? À 25 ans. À 25 ans. Tu tapais encore là, Jean-Marie? Mais Jean-Marie, il a tapé encore 43 ans. Ouais. Jamais mon père ne vient se mettre sur moi. 43 ans, il était battu encore. Non. Avec une fourche. Elle une fourche, l'autre avec une fourche, avec une bâton. Et tous les deux, une coûte la gueule à Jean-Marie, il ne peut pas manger. Bah oui, ouais, il a mal tapé de la figure à Jean-Marie, il ne pouvait pas manger. Ça serait moi, je vais te dire une chose, je vais être honnête avec toi. Le jour où je le vois arriver avec sa bagnole, je prends le tracteur. Il n'a pas le droit. Mais c'est ça que je n'ai pas le droit. C'est ça qui fait la force parce qu'il sait que. Parce qu'il il a l'usufruit. Hein. Voilà. Mais rien c'est du ça, tout. Moi, je prends. Mais tu je peux prends, pas, mais arrête de dire. Mais je prends le tracteur pelle, je m'amène, j'y broie sa bagnole, je dis maintenant tu te casses, Olivier. Ah ben moi, ça serait. Ouais. Je suis arrivé là, elle m'a bousculé pour prendre la clé pour que je ne puisse pas prendre la caméra. Alors là, je ne l'ai pris pas le coup. Et tout de suite, elle a couru au docteur, elle-même. Elle-même, en voiture, elle a couru au docteur et on y a mis 8 jours d'arrêt. Oui. Ça, alors là, que j'ai eu l'intention de la griffer, c'est faux. Que ça est arrivé, c'est possible, parce que ça peut être sa boucle d'oreille, ça peut être mes boutons de chemise, ça peut être son adonné, son pince. C'est pas la vie, c'est pas la vie. Elle t'a mordu et c'est volontaire. Elle m'a. Ben c'est volontaire, oui. Pour te faire lâcher prise, pour elle m'a mordu. Mais il est encore marqué. Bon, puis comment ça va se terminer? Je sais pas. Mais t'auras tort, hein. C'est possible. C'est possible. C'est possible parce qu'avec la justice, ça t'en a plus. J'ai le même avocat. Et il m'a pas fait des compliments quand j'ai apporté l'affaire. Il m'a dit j'avais pas besoin de ça. Vous n'aviez pas besoin de ça. Mais je dis non, je sais. On a un caractère. On est des gens francs, mais sans rancune. Et honnête. Parce qu'ils me l'ont dit, les gendarmes. Il me l'a dit, le gendarme. Il a dit Modestine, vous a déposé plainte que vous l'aviez tête et négresse et que vous l'aviez menacée. Ah, je dis ça, c'est totalement faux. Mais c'est ma parole contre la sienne. Alors plus elle en rajoute, plus elle a de chance de gagner. Je sais pas. Mais si. Elle pouvait dire que je l'avais violée, c'était pareil. Je sais pas comment j'aurais fait, mais enfin, elle aurait pu. Elle t'aurait essayé. Elle aurait pu le dire, c'est exactement pareil. Exactement pareil. T'aurais essayé. Et je sais pas, parce que avec ces gens-là, il faut s'attendre à tout. Je n'ai pas traité de négresse, notre habitude, c'est de dire des hommes de couleur. Et je ne vois même pas que j'ai eu l'occasion de parler de sa nationalité, de sa couleur, et que j'ai une nassée de mort, c'est pareil, je n'ai pas de nassée de mort, ce n'est pas possible. Modestine, elle est là pour récupérer le maximum d'argent. Et elle coûte cher aux Français, parce que depuis qu'elle est là, avec tous les soins que Jean-Marie a fait faire, bon, elle en avait besoin, elle a été assez sage pour nous dire que si elle n'était pas venue en France, elle ne serait plus du monde. Elle s'en rend quand même compte, mais elle est là pour profiter des Français. Comme la plupart des étrangers. Et c'est quand même malheureux. On est chez nous et qu'on est considéré comme des esclaves. Parce que c'est elle là, qui est de Madagascar, c'est les Algériens qui sont à Paris, c'est les Turcs. C'est des gens qui ne viennent qu'en France pour profiter du régime français. Et qui ne travaillent pas. Il faut essayer de temporiser déjà, il faut essayer de calmer le jeu, que ça se fera tout seul. C'est mon beau-père, hein? Ah oui? Voilà. C'est mon père. Il est conscient qu'il a fait une connerie, il dit aujourd'hui j'en rigole, mais le jour que je vais me retrouver au tribunal, tu dis. Il le reconnaît, il dit j'arrive pas à me contrôler. Quand tu es au bon homme, dans sa tête, il n'arrive pas
à comprendre que il y a une autre personne. Voilà. Il dit, dans ma tête, c'est toujours à moi. Puis après, quand je réfléchis, je dis, ben oui, ben non, c'est à côté. Oui. Bon, il est propriétaire des champs, mais... Oui, ça comme, c'est exact, comme tout le monde. Comme les autres. Oui, voilà. Comme tout le monde. Ben, dans le fond de lui, il comprend, il le sait, mais il n'a pas... En finir comme ça, c'est vraiment triste. Maintenant, avant que tu sois là, Bernard, il a toujours dominé le Jean-Marie. Oui, ça je sais. Le Jean-Marie sais était, même, il était comme il était, quoi. Oui, oui, oui. C'était son père qui commandait. Voilà, ça, oui. Ça je sais. Mais sauf, en plus, avant, comme on était tous les deux à la maison, on était vie couple, quand, quelquefois, grand-père, il vient, il n'a jamais frappé la porte. Avant. Ça, c'est pas normal. Voilà, avant, il ne fait pas comme ça. Oui. Après, moi, j'ai dit à Jean-Marie, on ne sait pas s'il vient. Quelquefois, parce que moi, je croyais que je suis à la maison, chez moi, avec mon mari. Quelquefois, mais je suis tout nu, dans le salle d'eau, voilà. À la chambre, tout nu. Et quelquefois, il dit, rentre comme ça, qu'est-ce que arrivé comme ça, quoi, un jour. Enfin, j'ai dit quand même, il faut qu'il frappe la porte. Moi, je n'ai pas interdit qu'il rentre ici, mais il faut qu'il frappe la porte. C'est-à-dire qu'il ouvre sa maison, il n'a plus à venir dans... C'est la même, c'est la même cas de figure. Hein. Pour qui ça? C'est pour Philippe. Moi, je crois que c'était pour moi. Mais t'as pas cherché, mais c'est pas ma faute. Non, je cherche pas, moi. La tombe de Jean-Marie au Pio. Ah, d'accord. Ouais. Cimetière. Voilà. C'est beau. Tu n'as toujours pas rappelé, Philippe? Tu n'as toujours pas rappelé? Non, si je ne l'ai pas. Ah. Tu sais quand il va arriver? Vers 19h15. Quand j'ai appelé, il avait encore rentré à 3. Ah bon? J'ai encore le moyen de 3. Oh bah non. Tu me donnes de gruyère, Stéphane? Ouais. Je fais ça pour vous.
Bébé, t'es où? Hein? Ah, d'accord. Ouais. Dans quelques minutes. Le blanc. Allez, bébé, allez, bébé. Bonjour. Encore. Et c'est pour toi. Ah, merci, t'es gentil. Mon cœur. Comment vas-tu? Ça va. Alors. T'en as pas marre de faire l'autoroute pour elle? Mais est-ce que j'ai le choix, Stéphane? Il faut répondre à la question que je t'ai demandée. Oui ou non? C'est vrai, c'est un peu beaucoup. Hein. C'est à chaque fois de déplacement, Paris, Chaumont, Paris, Chaumont, Paris, Chaumont. Des fois, c'est pour elle aussi. On a réfléchi longtemps tous les deux. Mmh. Finalement, c'est moi qui ai pris la décision après mon retour des vacances. Mmh. Donc, comme j'ai bien compris qu'elle a aussi des difficultés énormes, elle a aussi des périodes très 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 difficiles. Hein. Bon, en tous les cas, j'ai bien compris qu'elle a besoin un peu de moi. Hein. Je crois un peu beaucoup, bébé. Bien sûr. Est-ce que tu as besoin de moi? Oui, c'est certain. Allez, un bisou pour repartir. C'est sûr qu'elle a besoin de toi. T'es certain? Ah ouais, sûr et certain. C'est quoi que t'es pas là? Comment tu sais qu'elle a besoin de moi? Bah parce que je vois dans ses yeux. Allez. Je vais rester avec elle, je serai près d'elle, j'essaie de la épauler comme je peux. Voilà. L'objectif que sera heureuse. Et quand elle sera heureuse, je crois en moi aussi, je trouve mon bonheur. Et que je serai un élément positif dans sa vie. Mais tu comptes faire quoi en fait? C'est-à-dire aller habiter dans un appartement? C'est-à-dire séparément ou ensemble? Donne ta main, Stéphane. Ah, tu vas rester avec elle dans la ferme, je suppose. Il va habiter chez toi. Oui. Voilà. Bah, c'est tout ce que je voulais savoir. Est-ce que tu t'imagines, toi, que le bébé est ici et moi je suis quelque part à Château-Villan? Comment ça traverse l'esprit, ça? C'est très bien. Bravo. Je vais partir avec mon bébé. Tu sais ce que je vais faire? À la ferme des beaux hommes. Tu sais ce que je vais faire maintenant? Maintenant que tout va se réaliser. Ouais. Tout va se réaliser entre vous. Mm-hmm. Je vous laisserai ensemble. C'est vrai, les parents. Mais tu. J'habiterai pas loin. Non. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'il faut, il faut un petit peu de tendresse entre vous. Moi, je suis passé plusieurs fois ici. Hein. T'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de correct, de juste. Et toi, t'es indispensable ici pour moi. Ah ouais? Je crois que t'as apporté énormément de soutien à Modestine. Et c'est un atout. J'attendais que ça. J'attendais que ça, que ce mot-là, pour rester avec vous. Bien sûr, Stéphane. Voilà. Stéphane. J'attendais que ça. Je sais pas si je dérangeais un peu, même un petit peu. Non. Il faut le dire. Non, t'inquiète pas. Il faut pas avoir peur de me le dire. De toute façon, si Philippe travaille avec moi, quand il rentre le soir, il a envie de dormir. Alors. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as déjà un programme pour ma vie? Le programme, c'est de se réveiller à 7h, d'aller au boulot et t'attends le soir, bien et tout. Dire mon bébé d'amour, mon chéri. Oh oui, tu m'as manqué, tu sais, tu peux pas savoir. T'as déjà me demandé pourquoi depuis 17 ans mari, t'as pas trouvé quelqu'un d'autre. Non, parce que moi j'ai pas pensé que j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Moi je trouve déjà moche, moi je trouve... Il y a plein de choses quoi. Oh là là, bon. C'est pas possible. Quand même, c'est pas qu'il y a que le malheur que pour moi. Ouais. Quand même, il y a quelque chose du bien qui a rentré. Ouais. C'est tout quoi. T'as une chose qui est fausse? Oui. C'est que t'es belle. Oh, voilà. Stéphane, je t'en prie, il faut pas dire ça. Si, c'est vrai, c'est la vérité. T'es une belle femme, t'es super, voilà.
Et c'est vrai, bébé. C'est vrai. Stéphane, je t'en prie. Pas et ça. Comment tu veux, bébé? Je t'ai choisi parmi des centaines, bébé. T'étais hein? Au milieu. Tu... Pourquoi tu m'as choisi moi? Parce qu'il y en a plus belle que moi, il y en a plus jolie, taille fine, taille mannequin, moi j'ai taille gros, machin. Non, c'est pas possible. Tu sais bien, la dernière soirée qu'on a la semaine, ça fait même pas un week-end. Ouais. Et tout le monde t'a dit que t'es la plus belle. Oh, je t'en prie. Parce qu'il ne voit pas clair. C'est ça. C'est ça que les gens qui parlent, ils ne voient pas clair. Ah non, je préfère être aveugle. Je préfère être aveugle. Tu veux pas admettre que t'es belle. T'es... C'est con. C'est con, c'est vrai ça. C'est con. Qu'est-ce qu'il voit un homme de moi, moi, je sais pas, moi. Qu'il voit pas que le. La taille, machin. Mais je sais pas, il va regarder les yeux bleus avec une taille mannequin. Qu'est-ce qu'elle a, une femme des yeux bleus? Ah, bah, je sais pas, moi. Attends. Ah, le travail. T'as de la personnalité quand même. Tu marches bien, la tête sur les épaules. Là, speed. Tu regardes les gens dans les yeux, je vois clair quand même. Bravo. Je t'aime, mon amour. Hein? Voilà, je t'aime, mon amour. Voilà, tu... Voilà, bébé, pourquoi hein? Tu m'aimes, bébé? Je sais pas, mais je t'aime. Voilà. Parce que t'es plus beau. Je sais, non, c'est pas ça. Mais ça, je sais, c'est pas la beauté qui. Il y a l'intelligence aussi. Voilà. Est-ce que tu ressens que je te comprends mieux que d'autres? Est-ce que. Moi, je n'ai jamais connu l'autre ici. Jamais. Voilà. Il y a mon mari et après, il n'y en a plus. Bah, c'est toi la deuxième. Tant mieux. Voilà. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai jamais eu de bonheur comme j'ai maintenant avec mon destin. Elle m'accepte, elle m'aime bien, elle m'estime bien, elle m'a éduqué, c'est-à-dire elle m'a aidé à m'en sortir de ce putain d'alcool pourri. En plus, elle en a chié parce qu'il y a longtemps qu'elle aurait pu me faire virer de chez elle, il y a longtemps qu'elle aurait pu dire au médecin, je ne veux plus de lui, il boit et tout ça, je peux pas m'en occuper ni quoi que ce soit. Elle aurait voulu, elle aurait pu dire ça, mais non, je n'ai jamais ressenti ça dans ma vie de l'âge de 17 ans. Elle a sa façon de faire les choses, voilà. Ouais, pourtant c'est pas une professionnelle. Voilà. Non, c'est bien, elle est forte, elle est... Donne-moi un bisou, bébé. Remanger. Est-ce que tu es heureuse avec moi? Oh oui, on verra. Quand tu sais avec toi, tu sens heureuse. Hein? On ne sait pas pour le moment, parce qu'on vient de rentrer dans le milieu grave. Bon, on ne sait pas si tu peux me rendre heureuse, et moi aussi, mais moi je sais pour moi, au fond de moi, je sais que je peux rendre heureuse pour toi. Mais toi, je ne sais pas si tu peux me rendre heureuse. Ça, je ne sais pas. On va aller à Chaumont là, parce que mon avocat m'a téléphoné. Oui. On va signer le papier pour la gérance. Et... Oui, je vais me changer juste pour mettre un pantalon correct. D'accord. Donne-moi un bébé pour la route. Ensuite.
poser, vont signer. Ça. Donc ce sont des procès-verbaux que j'ai préparés, mm-hmm. où je raconte que vous êtes marié le 6 avril 2002 avec M. Jean-Marie Aubryau, mm-hmm. que dans le contrat de mariage, il y a une clause qui prévoit l'attribution de toute exploitation agricole avec tous les éléments corporels, etc. qui en dépendent, les droits dans une société d'exploitation, un fonds de commerce, exploite un fonds de commerce ou un établissement de nature agricole. Et donc, comme vous avez toutes les parts de l'ERL, vous décidez que la gérante de l'ERL, c'est Modestine Aubryau. On signe et on y va. Félicitations, madame la gérante. Signature là. Ce sera publié dans le journal La Franchie demain. Publication. Mm-hmm. Madame Modestine Aubryau est désignée gérante de l'ERL des bons hommes. Et on verra. Stéphane, je vais t'inviter là. On va aller au restaurant. Ah, voilà. Dis pourquoi. Parce que t'as signé le papier contre tes gérants. Ah là, t'as compris. Alors maintenant tu peux. Ah, pas encore. Pas encore. Ah non, pas encore. Oh bah j'ai le temps de te ramener alors. C'est cool. Madame la patronne, s'il te plaît. Ah non, pas ça. Je suis sans boulot maintenant. Est-ce que tu peux m'embaucher, s'il te plaît? Je vais montrer les trucs. Quand je pars à Paris, j'explique. Stéphane, il fait comme d'habitude. Il ne change pas son habitude. Du lapin, des vaches. Et si Reynald vient donner à boire les vaches, il va avec, comme d'habitude. Quoi. Mais je te dis, il ne faut pas faire de bêtises. Bah non, pourquoi j'en ferai? Et reviens vite, hein. Je suis morte. Pas gênée, ma belle. Je vais. Modestine est là? Non. Ah bon, non. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas là? Non, elle est partie avec la Liliane. Tu crois qu'elle est rentrée? Ah ben, la voiture est là. Stéphane, il m'a certifié que oui, mais la voiture n'a absolument pas bougé. Ben, elle n'est pas partie en voiture, elle est partie avec. Non, ben, elle n'était pas partie en voiture. Non, elle n'était partie, je ne sais pas comment. Elle est partie avec Liliane. Et Liliane, hier, je suis avec. Oui, mais... Je suis venu samedi tantôt, il y avait le monsieur là, oui. Et la voiture était où elle est, elle n'a pas bougé. Moi je vois qu'au début, que quand je venais tous les jours, le Stéphane venait près de moi, il me causait beaucoup. Un jour qu'il avait bu un coup, il m'a raconté ses petites misères, il ne m'a pris pas le coup, et ainsi de suite. Alors que là, je vois qu'il cherche à ne pas me parler. Il est conditionné. Et il a dit, tu ne causes pas au grand-père. Ça, c'est, j'en suis persuadé. Je le sens.
Stéphane, viens. Viens voir. Bon, tu te rends pas malade. Ouais. Ça sert à rien de te rendre malade. N'importe comment, c'est pas toi qui m'as dit que Modestine était partie. Je le savais. D'abord, je m'en avais rendu compte. Hein? C'est pas toi qui me l'as dit. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que tu ne me dises pas la vérité. Parce que je n'avais pas le droit de le dire. Voilà. Je le sais. Voilà. On est franc. Tu m'as dit franchement parce que j'avais pas le droit de le dire. Voilà. Mais je ne t'en veux pas. Je t'estime. C'est vrai, je ferai tout pour toi. Tu peux, si un jour tu as un problème, tu peux venir me voir. Je ferai tout pour toi. Mais ce matin, je n'étais pas content parce que c'était flagrant que tu ne me disais pas la vérité. Ouais, mais parce que j'ai pas le droit. Voilà. Mais t'aurais dû me dire, tu m'aurais dit comme ça, eh ben, on n'aurait pas arrivé à ce qu'on a arrivé, que je me suis un peu fâché. Voilà. Je suis sûr de quelque chose. Quand je suis pas sûr, je suis pas sûr. Mais quand je suis vraiment sûr, et comme soutien, le contraire, j'ai du mal à me contenir. Le grand-père, il te pardonne, il a compris, on était copains, si on veut. On peut dire copains, comme ça. Et on est toujours copains. Bon, attends. Où est l'échelle? Qu'est-ce que tu dis que grand-père? Tu vois, Stéphane, ça, tout ça, ça devrait être placé. Quand tu as besoin de quelque chose, tu ne devrais pas être obligé de te débarrasser Saint-Pierre pour avoir Saint-Paul. Je ne dis pas que j'étais tout ordonné, que j'étais tout parfait, mais enfin, il y a quand même un minimum. Bon, alors. La grand-mère n'est pas là, elle va se lever au ciel. C'est pareil, vous voyez, une échelle, ça balance. Forcément, ça balance cette longueur. Mais on ne monte pas n'importe comment, il faut prendre le rythme de l'échelle. Ça ne s'improvise pas. On est né là-dedans. On apprend ça dès qu'on marche. Moi, je l'ai fait depuis 91 que je suis en retraite. Alors, ça fait 14 ans. 14 ans que je faisais tout ça. Mais j'étais content comme tout. Mmh. Et c'est pas pour un salaire. Uniquement... Non, pour plaisir, quoi. Parce que c'était les bons hommes. Ouais. Voilà. Parce que c'est les bons hommes, c'est ma vie, parce que c'est comme ça. Par respect pour mes anciens. Aussi. Ah. Bah, attends, il y en a peut-être une qui n'est pas coupée, hein, c'est possible. Si. Bon. Parce qu'il faut la tirer. Bon, voilà. Alors là, ça, j'ai mon pote pour. Là, t'as du beau foin. Du foin pour. Pour les lapins. Pour les lapins, pour leur donner dans leur litière. Puis... Ben, puis ils vont en manger. C'est du foin de cette année, il est. Ah ouais, il est beau. Il est beau. À la prochaine. Allez, au revoir, Stéphane. Au revoir. Ne fais pas les petits yeux comme ça, regarde en face. Ouais, je regarde en face. Impeccable. C'est bon? Oui. Merci. Pas de quoi. Ça fait un sourire. Thank you.
Je t'ai dit que je reviendrai, ben, je suis revenu ce matin. Voilà. Quand elle est réveillée, j'ai absolument pas eu le temps. Ah, j'étais pas réveillé ce matin. Hein. J'étais réveillé, mais j'entendais quelqu'un parler, je dis ça, c'est le grand-père. Je me mets par la fenêtre, en effet. Je suis venu là, j'ai frappé, la télé marchait, il n'y avait personne. J'étais dans la cour, j'ai appelé. J'ai appelé Stéphane. Bon, je ne me suis pas rangé ce matin. Je ne suis pas raté non plus. Ah bah, nous, la bière. Alors. J'ai pas pris le temps ce matin. Oh, moi non plus. J'ai bien m'habillé avec ma chemise noire, j'ai bien me rasé et tout, du parfum, pour que la patronne sonne le parfum, et hop, tant mieux. Ah, c'est pas ce qu'on dit, hein. Attrape pas les moufles avec du vinaigre. Ah, ah oui, je vais me faire tout beau. Alors, c'est pas que je suis rasé. Je me suis coupé les cheveux. C'est vraiment. Ouais. Oh, mais je vais me faire bien. Dès qu'elle va rentrer, elle va me voir en chemise, tout, tic tic tic. Je dis au revoir. Merci pour... Ouais, t'es bon, c'est pour... Si t'as quelque chose, tu t'es me le dis. J'ai un problème. Alors, tu prends la route qui est tout contre les pompiers, et puis t'arrives. Tu viendras où? Je passerai une fois. Oui. Je passerai vous dire un bonjour. Ouais. En vélo. Bonjour Stéphane, bonjour. Ça fait beau Stéphane. Bah ouais, c'est frais ça. Oh là là. Oh Stéphane. Bah, quand t'arrives, on vient chez toi. T'es beau comme ça. Ah ouais. Oh, je crois pas que t'es comme ça. Ah, ouais. Ah ben. Ici, il n'y a pas pourri, il y a que là. Mais il y en a plein que t'as jeté. Ah, on a fait ça pas... tous les deux, mais moi j'ai pas regardé. Moi, ils mettaient ça dans la brouette. Bon, pas moi, je suis chargé, hein. Mais il faut garder Stéphane, à chaque fois les gens qui font quelque chose avec toi, à la ferme, comme tu prends comme pour toi, ouais. Tu regardes bien comment les gens qui font, tu dis que c'est pas comme ça, on va faire comme ça. Parce que là tout est par terre, on va faire travailler encore. Stéphane, ouais. Presque, c'est pareil, ils gueulent. Ils gueulent, on ne sait même pas pourquoi. Et après ils sont contents d'avoir gueulé, alors ils font les gentils devant les bonhommes. Et puis voilà. Les bonhommes aussi, hein, eux. Ah, non. Faut pas dire que le fort. Tu vois crier moi. Mais tu vois, avec Philippe, on n'a pas longtemps. Ben. On déjà 5h du matin, on a déjà gueulé tous les deux. Oh là. Tu vois bien. On se réveille 5h du matin pour gueuler. Ah, ben, dis donc. Voilà. Allez. Allez! Vite, Stéphane, frappe, elle est dans le cul! Allez! Ça coûte à rien! Allez! Allez! Oh, celle-là, c'est une tête de vache! Hein. Allez! Elle est belle! Voilà, le bébé est parti là-bas, il va partir! Faut pas qu'il y aille là-bas! Il va rentrer dans là-bas ou dans la mer! On va dans la porte là-bas. Voilà. Putain, c'est pas vrai. Modestine. Oui, madame. Ce bébé, tu m'en as parlé que tu as pris contact avec le groupe d'assurance. Déjà, j'ai été surpris par une chose très 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 importante, parce que c'est le minimum à respecter, c'est le minimum à faire très attention, c'est d'être assuré. Au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas assuré. C'est la priorité de l'assurance. S'il arrive quoi que ce soit sur la ferme ou une personne qui vient ici, c'est catastrophique. Comment tu peux arriver à ce point d'arriver? Est-ce que comment toi, tu n'as pas réagi par rapport à ça? Toi, ton rôle, c'est d'exploiter l'entreprise qui t'a laissé ton mari, tu es sa femme. Ah oui. Tu as une responsabilité morale et en même temps responsabilité matérielle. Le notaire, l'avocat, le comptable et d'autres tiers, c'est des gens qui sont payés pour que toi,
Tu continues à travailler en tranquillité. Jean-Marie, j'ai l'impression, à travers les documents que j'ai vus, il a choisi quand même des assurances. C'est pas quelqu'un qui fait des économies par rapport aux assurances, mais il est conscient de la gravité de certaines choses. L'assurance, il faut l'assurer parce que s'il arrive quelque chose, parce que dans le foin, on ne sait pas, on ne sait jamais, hein, parce voilà, ça arrive, l'accident, malheur. S'ils font rien, ce que c'est des gens, ce qui les intéresse, c'est de gratter, c'est de prendre. Ouais. Donc là, n'oublie pas, bébé. Stéphane, tu t'arrêtes le gaz, s'il te plaît. Ah, bébé, il y a aussi autre chose. On peut les mettre en concurrence, on peut prendre en contact avec d'autres organismes. Il faut que l'exploitation, elle sera assurée dans le plus bref délai. Bien sûr. Il faut que tu seras assuré. Mais t'inquiète pas. Bébé. Allez, c'est fait. À table. À table. Tout est prêt. Voilà. Oh, le pantalon de nain. Ça, le pantalon de nain. Ah, celle-là. Moi, je vois ça, ça fait mal au ventre. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai lavé dans la machine et je savais pas qu'on peut pas laver dans la machine. Et voilà. La punition. Viens. On le frotte. Il peut pas. Il peut pas. Oh, qu'est-ce qu'il va dire, Philippe? Je vais la cacher. Ben, je sais pas, il va fâcher. Hein. Ça, c'est sûr, voilà. Certain. Voilà. Il va me gueuler toute la journée. Voilà, il fait la gueule avec ça. Voilà. Mais c'est le moyen. Tu peux tirer, hein, tu arriveras jamais, de toute façon. De toute façon, il est déjà comme ça, voilà. Tu pourras jamais. Sauf, je vais là-bas, je l'amène le pantalon là. On va chercher le magasin. Tiens, on trouve comme ça. Ça arrive, hein. Bon. On t'aurait fait ça, mon pantalon, j'aurais crisé aussi. Hein. J'aurais dit, c'est quoi ce pantalon plouc? Je ne veux pas parler comme il est là-bas, mais j'attends que je la cherche, c'est tout. Hein, si j'ai une... Non, mais t'attends qu'il te demande, qu'il te le demande. Non, il faut que je cherche à papa. Tu vas le cacher? Bien sûr, je le cache. Je ne sais pas où, mais il ne faut pas qu'il voit. Ah. Parce que moi, je ne veux pas les gens m'engueulent avec les choses comme ça. Mmh. Je n'aime pas qu'ils vont me dire, c'est pas toi qui as acheté ça, machin. Oh. Que je vais avoir bientôt. Ah oui, ça avance. Oui. Ah, ça c'est une bonne nouvelle aussi. Ah, oui. Il faut vite renvoyer ça. J'ai envoyé ça aujourd'hui. Il faut faire copie, hein. Oui. Parce que la demande de nationalité a été faite après le décès de Jean-Marie. Oui, c'est après. Après, oui. Oui. Ok. Et puis la date de dépôt de ma demande de naturalisation. Ok, date, machin, tac. Ah, ça, je suis content, ça. Non, il y a encore que des trucs qui marchent bien en France. Oui. Oui. Ils ont 6 mois à la suite du retour de ça pour statuer. Donc, faut surtout recommander et garder le recommandé. Hein. C'est une saloperie qui est partie qui m'a choisi ça. Elles vont dire une grand-mère là-dedans. Moi je suis pas grand-mère. Non mais là on dirait là. Assis sur une chaise avec le gros menton. Tu veux pas une écharpe aussi? Mais je l'ai moi. J'aurais une copine jamais mettrait cette horrible chose là. Parce que je la prendrais pour une grand-mère. Ah non, jamais. C'est pas parce que Philippe est en costume que tu as acheté un costume pareil.
Non, mais moi, peut-être qu'il vaut mieux choisir ça, comme ça, je le rassemble à la grand-mère. Oh, man. Terre est basse et le ciel est haut. Pauvre jeunesse. Et Modestine, au début, qu'elle était mariée à Jean-Marie, elle venait à oh ben, elle est venue un peu au betterave. Quand on a arraché les betteraves, elle est venue, oui, mais... Carottes, aussi. Ah, au betterave, je sais pas, mais carottes. Alors, le monsieur qui sent pas la vache, il est toujours là? Parce que celui-là, il couche pas dans la chambre à côté. Stéphane, avec le Dida, avec l'autre... Oh, j'ai dit, hein. Vous faites à Modestine. Ah non, 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 non. N'importe comment, Stéphane est conditionné. Il ne peut pas me dire ce qu'il veut. Enfin, bon. Je m'en fous. Mais ce coup-ci, je m'en fous pas. Parce que ça prend des proportions qui m'inquiètent. Et celui-là, t'as le point? Le point de celui-là? C'est petit, celui-là. Hein? Oui, ben, mêlé. Elles sont trop grosses. Notre petite, notre gros, n'en veut point, n'en veut gros, n'en veut... Oh là 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 là. Oh là là, les dames sont compliquées. Il y en a encore, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est bien. Et puis maintenant tu repasses derrière moi. Je t'ai pas dit ça, c'est bien, j'ai jamais dit ça. Alors, jamais de la vie. Il y a quoi vraiment je peux pas comme je fais bien souvent, claquer la porte et m'en aller. Hein. Je ne peux pas t'avoir dit que c'était bien alors qu'on avait fait une erreur. T'avais fait une erreur. Vous voyez là, la vie en couple comme c'est. Oh ben, on se dispute tout le temps. Quel couple qu'on ne se dispute jamais. Et puis moi j'appelle pas ça se disputer. Moi, c'est mon plaisir d'arguer ma femme. Oui, ben c'est pas toujours voilà. Une réussite. Parce que c'est pas toujours une réussite. Moi ça me perturbe. Des fois ça fait que ça finit pas bien. Quoi. Ça me perturbe. Des fois je couche à l'hôtel du Cutouret. Des fois je pleure. Pêche-toi. Si je t'avais fait travailler comme ça, quand moi je m'occupais des ptios, hein, donner le biberon et puis toi tu renflais, eh ben. Comment ça? Oui, 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 oui. Comment ça? Oui, oui. Voilà. Ça fait tête de cochon, hein. Mais bien sûr, j'aime tête de cochon. C'est bien. Oui. Oh. Bordelique. Tout ça, c'est à lui? Mais non, c'est à moi tout ça, c'est son bureau. Voilà. Et c'est lui qui fait tes comptes? Hein? Oh non, pas les comptes. On a rangé tout et machin. Oui, qui range tout, d'accord, mais bon. Les comptes se font avec comptable. Bon, on était au comptable, il récupérait tous les dossiers, machin, mais. Tu dois pas laisser regarder tes comptes, ça c'est personnel à toi-même. Ça, rassure-toi, c'est personnel à toi-même. C'est trop facile, là. C'est trop tôt. Même si t'avais envie de rester avec lui, c'est trop tôt, mon petit. C'est quoi les poids, les haltères, là? C'est pour les gens de Paris de faire de la musculation, parce que tu vas travailler là, puis t'as fait de la musculation. Moi, j'ai pas besoin de ça, moi. Non? Moi, j'ai déjà fait de la musculation naturelle. Naturelle, pas ça. Moi, j'ai pas besoin de ça. Tu vas être sûr de toi quand tu vas être... quand tu vas être là? Mais tu vas pas te laisser attendrir par l'amour? Ah non. Par mon bébé? Non. Pas bébé là. Non. Ton visage qui reprenne ses affaires, ça, je sais pas. Il m'a rien dit. Bon, je viens ce soir, je sais pas. Bon, j'attends. De toute façon, moi je suis chez moi. Hein. Oui, mais t'es chez toi, mais enfin ses affaires elles sont plus ou moins installées, donc il avait quand même envie de s'installer avec toi. Oui, mais si pour carotter, je l'accepte pas. Si pour l'amour, d'accord, mais pas carotter. Hein. Voilà. Si c'est pour l'amour propre, d'accord. Mais c'est pas pour l'amour carotté. C'est pas moi qui l'aime, voilà. C'est le papier là qui l'aime, pas moi. Tu t'es rendu compte que c'est quelqu'un de pas gentil? Non. C'est les hommes pour donner les sous pour les femmes. C'est pas les femmes donner l'argent pour les Tout hommes. Tout à fait. Maman, c'est les hommes. Faut pas croire. Voilà. Et tu ressens ça comment, toi? Pour lui? Il faut qu'il rentre dans l'entreprise. Ça, c'est clair et net, c'est non. Et dans sa tête, il a ça. Dans sa tête, ça.
Ils disent que moi, je n'ai pas de statut dans l'entreprise. Il n'y a pas de statut dans l'entreprise. C'est moi le statut de l'entreprise. C'est pas lui. C'est pas tout mélangé, il mélange n'importe quoi. Moi, je viens de rencontrer même pas longtemps. Il faut qu'il bouffe tout. Alors. Parce que moi, je dis, c'est pas possible qu'il m'aime. Tu m'as dit que c'était plus pareil qu'au début. Moi, c'est comme ça que tu m'as dit. C'est pas la même. Bon, même au lit, bon, lui là-bas, moi ici. Ah ouais, pour quelqu'un qui vient de se connaître. Voilà, c'est chacun son coin. Et bon, le matin, ou bien avant de dormir, on se parle 5 minutes. Et après, on dormit. Bon, c'est pas pareil, quoi. Il a dit des trucs, ça m'a choquée. Mais quoi? Mais un style que tu te faisais pas belle le soir, que... Oh, bah parce que quand on vient chez toi, là, ils me disent que va changer. Moi, je dis non. Va te changer. Moi, je dis non. C'est pas chez quelqu'un. Je vais aller chez la Liliane, je ne change pas. C'est comme ça et c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. On va aller chez Aléco Marché. Va te changer. Moi, je dis non. Non, c'est comme ça. Si j'ai envie, je fais belle. Voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Si j'ai pas envie, faut pas me forcer, faire changer, maquillage, machin. Bon, je vais pas le maquiller, moi. Moi, je suis naturelle comme ça, c'est tout. Ça te plaît ou ça te plaît pas, moi c'est comme ça. Quand vous êtes tous les deux, de toute façon, t'es pareil, que tu sois habillée ou pas habillée, hein, non, il y a de toute façon. Moi je dis, oh, changer tout le temps. Moi je dis, moi je vais me changer quand je vais aller à Paris ou je vais à Madagascar. Voilà. Toi, t'es sûre de toi, tu veux travailler, donner la plein dans ta ferme. Oui, c'est normal, en être gérante, je trouve que c'est beau, je veux dire, il faut donner la plein là. Ça, c'est mon amour, pas partagé. Amour à moi, personnel. Pas partagé. Qu'est-ce que c'est un amour personnel? C'est la ferme des bons hommes, un amour personnel, pas partagé. Non, pas ça. Sinon, il n'est pas content, il ramasse tes affaires, il partit à Paris. Je croyais que tu devais aller venir me chercher. J'ai marché tout seul comme un convenant. Aujourd'hui, ils disent que ça fait du bien pour machin, je t'ai bien à la faire. Ah, bah oui, voilà. Alors, ton bras charmant, s'il vient ce soir, qu'est-ce que tu vas lui dire? Oh, si son projet, c'est pas... Ça me plaît pas et peut-être il prend son bagage et quitte cela lui-même. L'amour en est héritage. Ouais. Philippe, t'as déjà parti? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Tu pars ce soir ou tu viens demain? Non, non. Mais je te pose la question, je veux une réponse. Voilà. Je pose la question, tu me donnes une réponse, c'est tout. Faut pas disco comme tu veux. Non, c'est pas ça la réponse. Ah, bien sûr. Mais dis donc, mais faut pas dire dis donc, c'est comme ça. Mais faut pas dire que je comprends rien du tout. Moi, je comprends, je suis pas bête quand même. Ouais. Ça va pas bien, hein, vous direz. Non, ils disent qu'il va venir ce soir. Mais si je voulais pas lui, il part ce soir même à Paris. Non, mais il fera rien, il jactera et puis c'est tout. Non, même, de toute façon, il lui fait des trucs sur elle, moi j'y saute dessus, moi. Non, j'ai rien demandé avec lui, hein. Bah. Oh. On trouvera un autre. Oh. Il y en a beaucoup. Il y en a plein. Ça ne va pas trop pour l'amoureux de Modestine. Il a l'air d'être sur un siège éjectable. Sera-t-il éjecté? Et Modestine, est-ce qu'elle ne risque pas, elle aussi, d'être éjectée? Par son beau-père, elle. C'est pas possible. Ça te fait mal. Les voyages formant la jeunesse, Modestine emmène Stéphane découvrir son fabuleux pays. Voilà, je vous présente la maison, Stéphane. C'est chez moi. La mère d'Émeraude et les filles au parfum de vanille. Moi, je te dis, regarde, pas dormi. Mais qui est donc ce joli bébé? Pas dormi. Oh, c'est pas vrai. De retour en France, quels nouveaux soucis attendent notre héroïne malgache? Quelque part au fond de toi-même, tu les aimes quand même. Oui. C'était quand même les parents de ton mari. Oui.
Le beau-père arrivera-t-il à ses fins? Après tout, elle n'est même pas française. Beau-père la ferme. C'est... Vous saurez tout, tout, tout dans le prochain et dernier épisode Crimes et Châtiments. L'épouse d'un agriculteur, c'est-il l'immigration choisie? Noblé à des gens de couleur, c'est-il l'immigration subie? Striptease vous déshabille.